de dormir ici, hoqueta la coccinelle paresseuse. J'ai trop mal au cœur. Alors, quand un tigre passa à pas lents, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sauta, où ça? Sur son dos. Oui, sur le dos du tigre. Mais le tigre, il aimait rugir. Impossible de dormir ici, grogna la coccinelle paresseuse. Il y a trop de bruit. Sais-tu ce que ça fait un tigre quand ça rugit? Ça fait... Alors, quand un crocodile s'approcha, qu'est-ce qu'elle a fait, la coccinelle? Elle a sauté sur les pics. Eh oui, hein, sur les pics du crocodile, elle a sauté sur sa... Sur sa queue. Mais le crocodile, il aimait battre de la queue dans le courant. Ça faisait chouich, chouach, chouich, chouach dans l'eau. Penses-tu qu'elle peut dormir sur le crocodile? Non. Non, impossible de dormir ici, frissonna la coccinelle paresseuse. Je vais tomber à l'eau. Alors, quand un singe passa en ricanant, qu'est-ce qu'elle a fait, la coccinelle? Elle a sauté sur sa tête. Oui, elle a sauté sur la tête du singe. Mais, sais-tu ce que le singe il aimait faire? Il aime se balancer, balancer, balancer. Oui, exact. Il aimait se balancer de branche en branche. Impossible. De branche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est passé d'une branche pour aller à l'autre branche en se balançant. Il était toujours en mouvement en train de se balancer pour sauter d'une branche à l'autre. Impossible de dormir ici, gémit la coccinelle paresseuse. J'ai la tête qui tourne. Alors, quand un ours passa en se dandinant, ça veut dire quoi, dandiner? Non. Il se faisait aller comme ça. Il se dandinait en marchant. En courant, courant, courant. Elle a sauté pour aller où? Sur son oreille. Ouais, elle sauta sur son oreille. Mais l'ours, il aimait. Qu'est-ce qu'il faisait? Se gratter. Il aimait se gratter. Impossible de dormir ici, s'inquiéta la coccinelle paresseuse. Cet ours finira par m'écraser.